Jamais pleuré une seule fois de ta vie. Quand tu étais toute petite, hein, c'est vrai. Ah si, tu pleurais beaucoup. Ah bon? Tes larmes étaient trop abondantes. Très abondantes. Alors je pleurais, je pleurais pas. Oui, tu pleurais. Quand tu étais toute petite bébé, après ta naissance, tu étais extrêmement calme et tout ce qu'il y a de plus mignonne au monde. Ouais. Un trésor. Bon. Tu veux y aller ou pas? C'est comme tu vois les choses pour toi, mon trésor. Dans 10 minutes. Si tu veux. Oui. Dis-moi, mon trésor. Dis-moi. Est-ce que tu peux me montrer si maman est là ou pas là? Tu veux qu'on l'appelle? Ouais. Ok, on va essayer de l'appeler. Oh, je suis contente. Elle va aller mieux. Je vais aller avec du mouron pour moi. In case you don't know who they are, the most famous for this song right here. Song of the year, I say.
On va voir. Est-ce qu'elle est en Chine? C'est vrai. Oui, elle a avec une copine. Moi, je veux pas. Non, la dérange pas. Bon, on va voir si elle est... La dérange pas. T'inquiète. Ça coûte trop cher. Non, c'est gratuit. C'est Internet. C'est vrai. Oui. Maman, c'est gratuit. On peut appeler partout. Tu sais, on m'a privé de la télé toute ma vie. Ouais. Sauf quand j'étais avec maman. Ah bon? La télé, je la regardais avec maman. Ah, ok. Ouais. Ah. Mais après ça, la télé, j'en étais privée plus de 30 ans de télévision. Mmh. Mmh. Voilà. Ok, bon, t'es fatiguée? On m'empêchait d'être au courant des événements. Pourquoi? Ici, ils sont bizarres. J'ai pas confiance. Mmh. Ma grand-maman est pas là. Toi, tu veux pas mettre une robe? J'ai pas de robe. Mais tu veux une robe? Tu veux que je te fasse une robe? J'ai pas marché avec une robe. Mais une longue robe? Parce que c'est à quoi on peut tomber. Ah bon? Parce que je peux t'en faire une, moi, de robe. Tu sais, je fais des habits, moi. En hiver, j'aurais trop froid. Oui, mais cet été, là, il fait chaud. Tu crois? Il fait chaud, là. T'as raison. Faut sortir aussi un peu, hein. Je sors, là. Ok. Coquine. C'est ok. C'est bête, c'est in. C'est ok, 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 c'est bête, c'est in. Mon petit... C'était quoi comme chanson? T'en as un calendrier? Oui, ça va, j'ai ce que tu me donnes. Ouais, ma puce. Et c'était où cette chanson? Ouais. Ça vient d'où cette chanson? C'est moi qui l'ai inventée. C'est ok. C'est bête, c'est in. Tu as vu dans ce magasin. C'est ok. C'est bête, c'est in. Ils sont quoi, monter leur cul? C'est salaud, ils vont faire du. C'est vrai. Elle pense qu'elle montrait leur cul à leur néné. C'est vrai que c'est bizarre, pourquoi? Ils mettent des strings, des machins comme ça. Ils sont raides en France. T'as vu ça, la crête qu'il y a celui-là, sur la tête? Ah, Michael. Lequel? Les cuits punks. Ah, les punks. Les punks. Tu les aimes bien, les punks, ils sont pas fiers, non? Bon, il y en avait pas mal à Londres, ouais. Mais là, il n'y en a plus trop. Ouais. Ils sont en disparition. Ça commence à finir, tous les punks, il n'y en a presque plus. Ouais. C'est triste. T'avais vu un film avec les punks? Ouais. Il me faisait rigoler. C'était avec Coluche. Il faisait de la moto, le punk. Moi j'allais trop conduire pour ça. D'accord. Parce que je veux pas que tu sois morale. Okay.
have to think. Thank you so much, Mark. Oh, thank you very much. That was fun. Juggling the spacing of everything, but it was fun. Yeah, but just leaping one side of the room to the other. Like, yeah, sorry about that. No. But yeah, no, smash it. That was amazing. Thank you very much. Thank you for having me. Thank you very much. So I didn't mention that this is my 2-year anniversary show today, but it's also my last show on NPS. So thanks very much to everybody here at NPS. It's been incredible. Thank you very much for a remarkable after hour there. T'es une gentille pour ça. T'as toujours aimé grand-mère quand tu casses la menace de père. C'est ça que je te disais. J'adore l'harmonica. Et après, tu vas me faire un peu des sons. Je vais te faire un beau dessin. Oui. J'allais très vite. Dis-moi la date qu'on est. Alors, aujourd'hui, ouais, on est mardi 24. On va regarder ça. Ici, je traite tout droit comme base. As-tu ouais, là, t'as ton calendrier. Prends cet écrit qui te protégera. Tourne une petite page et crois-moi avant de tourner. On est le 24 à Sainte-Christine. Ah. Je vais te faire ça mieux, ça pue vite, crois-moi, je ne baratine pas.
Tu vas faire quoi? T'as bien bronzé. Bien. Oui, j'étais en Italie. Tu diras à maman par là, dis le trésor. Mm-hmm. Est-ce que tu l'as. Maintenant, il est là, mon gars, tu es contente. Ah. Est-ce que c'est vrai qu'on peut dessiner une tonne de dessins? Je pense que c'est ce que t'as fait, grand-mère. Je pense que j'ai bien une tonne de tes dessins. Ouais. Mais c'est jamais assez. Ouais. Je m'en lasse jamais. Le 24. Maman a un colis triangulaire que j'ai fait. Tu sais, c'est comme ça, comme ça. J'ai roulé une centaine de dessins dans une boîte à bichets. Je l'ai enveloppé, j'ai mis l'adresse. J'ai dit « sans » ici. Et là, il y avait un petit bout de carton qui manquait. J'ai mis un tas de scotch. Mmh. Elle n'a peut-être pas osé l'ouvrir, elle a peur que ce soit une farce. Mais c'est des dessins qui y a à l'intérieur. Un paquet de biscuits. Tu lui diras ça. D'accord. Un poussin. Je suis fière d'être grand-mère. Je suis fière de toi, mon petit poussin. Mmh. Ma petite chérie. Comme tu es gentille d'être venue pour moi. Je suis trop contente d'être avec toi. Des fois, Macron, ma fille. Macron est un charlatan. Il en fait trop et pas assez. Il y en a des malheurs qui se déclenchent à cause de lui. Si tu savais. Il joue les séducteurs à l'homme intelligent. Si tu savais comment il rôde tout le monde. Il saute de la gueule des gens derrière le dos des pauvres gens. Voilà. Ça, mon poussin, dis rien. Fais mine de rien. On va la voir. Ça n'existe pas à faire autant de projets à la fois. Tous les jours, on voit la télé, celui-là. Et on fait espoir faire des films tout ce qui est plus laid, de meurtre et compagnie. Voilà. Voilà mon poussin. Tu diras, c'est la pleine chaleur qui m'empêche de bien dessiner. Mmh. On est tous pareils, hein, c'est vrai. Mmh. Beau ou pas beau, on s'en fout. Pas vrai mon poussin? Oui. Tu vois, j'ai raté mon dessin. Pourquoi? Regarde, c'est pas tout, c'est pas laid. C'est non, pas laid. Il est c'est très pas beau. Laid. C'est pas laid. Il est très beau. Tiens, regarde le c'est... cadrage, j'adore. Ah. Merci, grand-mère. En veux-tu encore un dessin? Oui. J'en ferai encore un. Veux-tu le même sujet? Ou sinon. Voilà, tu es le même sujet. Ce que tu sens, ce que tu veux. Tu vas voir, ah, j'adore. Elle est trop belle. Ça se vend comme du type. Celui-là ira mieux. Je devrais me taire. La chaleur m'accable et toi aussi, hein, c'est vrai. Il fait chaud. La chaleur nous accable. Je vais te faire aussi un petit éventail en papier. Yes! Voilà, j'espère que ce sera bien. Ces gens-là m'hypnotisent, il faut que je revienne au bercail à chaque fois. Voilà. Ici, il y a des bonnes femmes qui font les sorcières. Oui. Elles font quoi? Tu vas être plus beau.
contente, la Sainte Gérette sauvée. Elle sauve, c'est un sauveteur aux cieux, Sainte Vierge, tu sais. La Sainte Vierge, c'est un faux sauveteur. Bon. Celui-là est plus joli. Ouais. N'écoute pas les mauvaises langues, ma chérie. Moi, j'aime petit peu ça. Merci. Elle m'a réussi un peu plus. Ah ouais, j'aime bien les deux. Moi, j'ai écrit un moment pour avoir un colis de crayon avec des bonbons. Okay. Je vais te donner plein de bonbons. Comme ça, si tu as faim, tu vas être un bonbon et ça calme la faim. Et si on a soif en mangeant un bonbon, on a plus soif. Ah, mon trésor. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi. Je vais te mettre ça dans le coin, je vais regarder ça. Oh, tu caches les bonbons ici. Quel mon petit trésor de rêve. Et tête, et les portes tout ça. C'est bon, moi! Et voilà. Oh. Et voilà. Merci, grand-mère. Les bons becs. T'en veux un dans ton bec? Non, ça va. Tu vas voir un sujet, il va y aller dans ton bec. Mon petit oiseau. Bon, bon, bon. Tu l'as vu, mon petit oiseau? Heureusement que les femmes n'ont pas de petit oiseau. Heureusement. Est-ce que tu es fiancée? T'es fiancée? Non. T'as bien raison. Tu profites de ta vie. Tu avais ton petit papa en ce moment en Angleterre. Non, je suis toute seule en Angleterre. Toute seule, tu te meurs. Je suis jeune, mais en Angleterre. Parce que je m'appelle Jeanne, une fois du même. Comme Jeanne d'Arc. Tiens, mon cousin. Merci, grand-mère. Emmène-moi ça. Vite fait, bien fait. Ça aussi, ma poulette. Oui. Vas-y. Tiens. Merci. J'ai chaud, ça commence. Il fait super chaud, hein. Achète-toi de la nouvelles de Marion. La dernière fois que je l'ai vue, c'était peut-être par Skype. Tu sais, il y avait Virginie, elle avait un bébé. Prends des nouvelles de maman. Je tenais mes sandales. Non. Pas d'argent liquide, on sait jamais. J'ai de l'argent quand même, je prends le train là, direct. Je retourne en Angleterre direct. Je veux te les donner, grand-mère. Non, grand-mère, garde-les pour toi. Si, j'ai raison. Non. J'ai raison. Non. J'ai de l'argent. J'ai un ami qui m'a acheté mon billet de train. Voilà ma poussinette. Je vais te mettre ici un papier blanc pour cacher ça. Ok. Tu donneras à maman. C'est une idée qui n'est pas chère et très jolie. C'est très beau, très, ça doit être très bon. Voilà. Tu sais, je tenais une nouvelle situation aux personnes qui travaillent dur ici. Et crois-moi, ils le font pour le grand. Je vais garder ce papier le pied ici. Envahir. Ni vu ni connu. Ah. Faut camoufler. Tout camoufler. Ça. Ah.
et du coup, je prends ça aussi. Alors. Tu veux prendre ça aussi? Ça va faire du bien d'abord. Ok. La pure vérité ici. Je communie toutes les semaines. C'est bien. Il faut faire ça aussi, ma chérie. Mmh. Oublie rien, surtout. Oublie rien. Je viens. Et normalement, je reviens te voir dans quelques semaines. Ouais? D'accord, grand-mère? Je reviens te voir dans quelques semaines. Oui? À qui? Je reviens te voir dans quelques semaines. Fais comme tu peux, prends pas trop de risques, très bien. Mmh. T'es toute seule au monde. T'es toute mais seule. Non, je suis pas toute seule au monde, t'es là. Ma chérie. Toi aussi, t'es pas toute seule au monde. Tu m'as manqué. Si j'écris pas, c'est pour pas qu'on nous embête dans la famille. T'inquiète pas. Parce que mon pied à terre, c'est ici. Mmh. Pour vous, oui. La famille. Ça se veut bien. Je à te mire finalement. J'aime bien ça. Ça fait ressortir un visage norvégien. C'est ça. Un sourire comme ça. Maman aussi a un beau sourire. Oui, maman aussi a un beau sourire. Je suis fière d'avoir une petite fille comme toi. Et en même temps, ta maman aussi, j'en suis fière aussi de ta maman. J'en suis fière de ta maman. Ça va mon trésor? Oui, ça va, je suis contente de voir. Ah, ma petite pince. Ce coup-là, il n'y a pas de gâteau pour pouvoir en avoir ton mal. Non, ce coup-là, je suis allée chercher des fêtes. Dis trésor. Oui. Tu as juste tout aidé, ça ne faut pas faire ça. Non, non je veux pas être en dessin. Elle est jolie, celle-là. Bleu violet comme ça. Je suis ballonnée à chaque fois que je mange. Ah, faut pas trop manger. Tu manges beaucoup? Pas tellement, un peu. Je mange à ma faim. Et toi, as-tu d'appétit? Moi, j'arrête pas de manger, ouais. J'ai mangé. Où elle est, grand-maman? Où est maman? Je te dis, elle est en Chine. Elle fait une retraite en Chine? Ouais. Pourquoi qu'elle fait ça? Parce qu'elle veut se reposer, parce qu'elle travaille beaucoup. Moi, j'ai dit, travaille pas trop, profite de ta vie. Ouais. Maman, elle se tue au travail. C'est dangereux de faire ça. J'ai une sacrée envie de bonbons. Personnel, on n'a pas eu. J'ai en fait un pour eux. D'accord. Parce que. Comment vais-je faire? Je vais faire tous des passants. Je coupe tout ce qui dépasse. Comme ça, tu vois. Tu vois les coups. Ils sont un petit peu. Ils sont un petit peu coulés. Le noir coule toujours facilement. Je signe au noir quelquefois, non. Ouais, ils sont bien liquides ceux-là. Moi j'ai pas hésité à y aller, ces salopes. Elles m'ont vidé mon briquet. Elles trafiquent tous les briquets tellement sont mauvaises. C'est pas elle qui m'achète du matériel, elle profite de moi d'une manière telle. Elles sont radins quand on a plein d'argent. Elles ne débourse jamais un seul sou pour moi. Rien. C'est tout. Je vais faire une fleur, mon trésor. Oui. Je ne filme pas chaque fois que je travaille. Je ne veux pas être connue, moi non plus.
Je veux pas être connue. D'accord. Laisse tomber l'Angleterre, elle te bouffe le système. T'es fragile, tu sais, ma puce. Aux cieux, hein, c'est vrai. Oui. Un jour, on mourra pas, on mourra jamais. Voilà. Samira. C'est qui Samira? C'est une femme qui est dévouée pour tout le monde. À peine arrivée, elle savait déjà bosser. Elle travaille très bien, elle est très honnête, très agréable de caractère. On ne lui marche pas sur les pieds facilement. Hein. Heureusement qu'elle sait se défendre. J'ai raté ma petite Marguerite, j'ai raté ma puce. Faut pas m'en vouloir fatiguée. Pas de problème, grand-mère. C'est pas beau ce que je fais là, j'aime pas. Pourquoi? C'est pas beau. Ça m'engueule à faire beaucoup de boulot. Et j'ai plus la force. Plus la force. Ces femmes-là sont jalouses de tout ce qui me concerne. Elles cherchent toujours à détruire ces filles-là. La jalousie, qu'est-ce que ça fait comme méchanceté quand on est jaloux? Ah ouais. Ça, c'est vrai. Ils t'auront pas, moi je le sais. Courageuse.